Voici un exemple en mode entretien. Dans ce mode-là, on a une personne qui interviewe et une personne interviewée, et le dispositif technique est en général composé de deux ou de plusieurs caméras. D'ailleurs, faites cet exercice-là, essayez de compter le nombre de caméras. Ces vidéos sont tirées de MOOC francophones ou anglophones, et la question qu'on peut se poser, c'est le prof dans le difficile métier de journaliste. Il faut être préparé. Aussi, faut-il regarder la caméra? Faut-il regarder la personne questionnée? Bref, beaucoup de possibilités qui vont faire que le prof va être potentiellement perturbé. Regardons tout de suite les exemples. Comment on s'y prend pour fabriquer des chiffres sur les coûts et les bénéfices des actions de prévention? Comment vous vous y êtes pris? Alors, nous avons fait un choix qui est très clair. Hein. Quatre leaders. Et quelle différence faites-vous entre un manager et un leader? Alors, donc la grande question théorique, encore une fois, on ne va pas faire de théorique là, c'est à vous de le faire pour votre cours. Dans l'exemple, dans cette entreprise, j'ai un exemple très Hearing a little bit from Professor Chernoff about how you got to this idea of the commons as a subject for the College of the Environment. The commons is one of the crucial issues that I think we're facing today. And what scares you the most? What are the things that concern you the most? Well, I mean, I am optimistic, I have to admit, but I am pretty worried because we've known about climate change as a scientific principle since the 1800s. There's always someone behind the camera. There's actually lots of people behind the camera in this MOOC, but one main person, and that's my colleague, Casey Holman. But today we're flipping the camera and we're going to ask Casey a question. Casey, who's your favorite teacher and why? My favorite teacher was my sixth grade teacher, Mr. Falk, and it was because he... Vous l'avez peut-être constaté dans ces exemples, j'ai ressenti en général dans la communauté anglophone une certaine aisance comparée à la communauté francophone qui est un petit peu plus perturbée à cause de ce dispositif technique et de ce mode entretien. Vous avez vu aussi un petit exemple d'une visioconférence qui elle-même était filmée. Cela peut vous donner quelques idées pour vos prochaines vidéos.